de ce pays de Lumumba. Merci, honorable Sœur Ajuma Sonboko. Nous rappelons à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde que vous êtes bel et bien sur la radio-télévision nationale congolaise en train de suivre le cortège de Papa Mobile qui traverse la ville de Kinshasa, destination Palais du Peuple, où nous attend Blaise Boko Kessanza avec la grande équipe. Constance Malanga, voir aujourd'hui la RTLC permettre ceux qui sont en Bushimai, Kananga, Chudubangi, Karawa, Goma, Bukavu, partout à travers la RDC, suivre en direct. Oui. Alors, vous parliez de la RDC Servant, mais il y a d'ailleurs quelqu'un qui a pris tout à l'heure en Tanzanie. Oui. Qui est branché sur la RTNC. Branché sur la RTNC en train de suivre comment est-ce que les choses se passent. Donc, et vous voyez même la population. Je crois que. Mais malheureusement, le pape ne peut pas. Il voulait vraiment, voilà, il voulait vraiment toucher le pape et communier avec le pape, mais malheureusement, le pape ne peut pas être. Mais ce qu'il faut souligner, c'est la mobilisation spontanée. C'est ça. Les gens veulent se dépuiser. Oui, la foule, c'est une image extraordinaire. La foule est là amassée depuis le matin afin d'attendre l'arrivée. Du pape, voilà, il y a Kinshasa, le pape François, et là il est sur le site de la salle. Il est sur le il y a plusieurs doyennés. Oui. Alors dans les différents doyennés, ce sont des regroupements des paroisses. Oui. Des paroisses dans différentes communes de la ville de Kinshasa. Il y avait une organisation pour que les gens aillent se placer le long du boulevard pour pouvoir accueillir le Saint-Père. Alors nous devons savoir que c'est la 40e visite du pape à travers le monde. Et 40, c'est un signe, un chiffre qui a du sens. Même dans la Bible, le chiffre 4 a du sens. Et nous pensons que cette visite va déclencher beaucoup de choses positives pour la République démocratique du Congo. Et je tiens à rappeler que c'est sur l'invitation de notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, que le pape a bien voulu venir en République démocratique du Congo. On sent qu'il a aussi le souci qu'il y ait une symbiose entre l'avancement de la RDC et la bénédiction du Saint-Père. Quoi qu'il vienne comme chef d'État du Vatican, mais il vient aussi comme vicaire du Christ, le cardinal Ambongo sera là pour le recevoir. Il a d'ailleurs dit que c'était une fierté pour lui, parce que c'est dans son archidiocèse. Mais également, il y a l'impact spirituel positif que va amener la visite du Saint-Père ici en République. Robert, je voulais ajouter, comme il a dit, l'impact positif spirituel. Le pape a l'identité de prophète et justice. Et il a son devoir de prêcher sans cesse la doctrine sociale et justice. Donc, on espère beaucoup. Constance, lorsque vous regardez, le temps s'est arrêté sur Kinshasa aujourd'hui. Là, on est en train d'approcher le quartier 1. Et c'est. C'est incroyable, ce sont des images en tout cas du jamais vu. Vous voyez cette marée humaine et on se disait mais est-ce qu'en de l'eau on sera contenir tout le monde parce que c'est tellement grand, c'est sur 2 km. Mais en voyant la mobilisation spontanée des gens, je crois que de l'eau sera même petit. Hein. Avec l'honorable Solange, j'étais en train de réfléchir de parler d'une chose qu'elle, dans ce sens que la population attendue, les fidèles attendus, chrétiens et autres invités attendus sur le terrain de Ndolo, de la part de Ndolo, c'est plus de 2 millions d'habitants. Et faisons le petit calcul. Le 60% des chrétiens sont des chrétiens catholiques, n'est-ce pas, à Kinshasa. Si on dit 10 millions, donc 6 millions sont des chrétiens catholiques. Or, Ndolo n'a qu'une
fait 20 millions. Ça va se passer comment? Je pense que les services seront débordés demain, parce que le pape, il est prévu que le pape dise la messe demain à Ndolo. Non, mais vous savez, mais l'entrée déjà à 7h juste, il n'y en a plus d'entrée. Aujourd'hui, à partir des 17h, tous, là, qui vont faire oration pour vivre cet événement. Imaginez-vous ce que ça représente. Je crois que la RDC, c'est dans l'actualité de la communauté internationale. On ne peut pas croire que nous n'aurons pas. Et cela sous l'avènement de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Moi, je crois que ce sont des signes qui ne trompent pas. Il y a la main de Dieu dans ces pays. Et nous continuons à croire que cette visite va apporter beaucoup, va soulager les personnes à l'Est, va soulager aussi nous tous. Vous savez, l'Italie est un pays qui a perdu beaucoup de monde avec la Covid. Ah, la Covid, oui. Ouais. L'Italie parmi. Et nous aussi, on a senti sur le plan économique. Et aujourd'hui, cette guerre nous imposait injustement, c'est une guerre économique à cause de l'Union. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, madame, que le pape, c'est le justicier. Le message qu'il va donner va entrer dans les cœurs de toute l'Afrique. Tous les pays africains, même le Rwanda, sont en train de suivre. Parce que si le programme de Goma était maintenu, plusieurs Rwandais pourraient traverser ce qu'ils veulent s'inverser. C'est un événement historique, historique. Et tous les enfants, tous les étudiants, surtout les jeunes, il y aura aussi une messe des martyrs. C'est ça, le stade des martyrs. Et puis, je vais vous dire quand même quelque chose, c'est... L'ADC, c'est une particularité. Partout où les papes passent en Afrique, il fait toujours deux jours. Ici, il fait 4 jours. Madame a parlé tout à l'heure. Du chiffre 4. Elle a parlé tout à l'heure du chiffre 4. Et puis, c'est la perfection. Il faut le dire. Vous mettez une image dans ces conflits papales. Parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, la population voulait défier... défier le cortège papal pour aller toucher Papa Mobile. Et là, au quartier. Voilà. Donc on s'approche petit à petit de mon homme, de mon homme, du centre-ville. Et côté, je viens de suivre tout à l'heure, toutes les autorités politico-administratives sont déjà sur place. Premier vice-président de l'Assemblée. Président du Sénat, du deuxième vice-président, du premier vice-président, et conseil, on est là. Ils sont là à l'aéroport, qui feront au palais de la nation. Et moi, je suis mandaté d'ici. Pour être là et commenter en direct ces cortèges. Papal qui est en train de traverser, est en train d'aller vers le dernier saut du mouton. Non, pas le dernier. Parce que l'avant. Le pape va nous passer. Donc, ici, aujourd'hui, vous savez, quand l'Oscar a été bien, aujourd'hui, c'est une journée politique.